Rappelez-moi, pourquoi sommes-nous dans un ghetto de vampires après la tombée du jour ? Patience, attends et regarde. Allez, allez ! C'est celle que nous surveillons. Nous n'avons pas besoin d'un vampire dans nos rangs. C'est une perte de temps. Pas vampire. À moitié vampire. Moins de faiblesse, mais elle doit quand même se nourrir. Un endroit dangereux pour se nourrir. Elle chasse. Elle cherche son père. La Brimstone a besoin d'elle. Nous sommes là pour ça. Il est temps d'y aller. Où est-il, Garth? Fichu suceur de sang. Méfie-toi de tes cousins. Ils devraient être plus intelligents. Merci de m'avoir sorti de là. J'adore vraiment l'eau. Tu n'es qu'à moitié vampire. Un plongeon peut te faire un peu souffrir, mais ça ne te tuera pas. Se mettre un doigt dans l'œil aussi, mais je ne le fais pas pour autant. Pas le temps pour les plaisanteries, tout comme ta demi-sœur. J'ai simplement confiance en mes capacités. Moi aussi. Mais c'est ta première mission pour la Brimstone. Donc tout doit se dérouler comme prévu. Que savons-nous jusqu'à présent? Bien. Les journaux disent que les habitants de Morton, en Louisiane, se transforment en espèces de monstres. Ils les appellent les mutants. Les médecins pensent qu'une nouvelle maladie en est la cause. Et ils ont placé la zone en quarantaine. Je suis fière de toi. Il y a plusieurs masses biologiques répertoriées dans la ville. Il semble qu'il s'agisse des porteurs de la maladie. Et c'est là que tu interviens. Détruis ce qui est à l'origine de la maladie et autant des villageois infectés que possible. La maladie ne doit pas s'étendre aux autres villages. Un peu radical comme remède, non? Ce sera leur rendre service. Vers la fin, le cerveau se liquéfie et s'échappe par le nez et les oreilles. Un sacré rhume. «
Une des masses biologiques a été trouvée au bout de cette route, dans un cimetière derrière l'église. On se retrouve là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce monticule à côté du poteau téléphonique? Qu'est-ce que c'est? C'est... enfin, c'était humain. Peut-être des restes des derniers stades de la maladie. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voyons à l'intérieur. J'ai l'impression qu'ils ont livré ici leur dernier combat. Prends des armes si tu en veux. Heureusement que nous ne sommes pas aussi sensibles aux objets sacrés que certains vampires. Te voilà prête. Je vais jeter un coup d'œil sur ces documents. Je vais peut-être découvrir d'autres informations sur cette maladie. Qui sait ? Ce mur fait le tour de la ville et il fait 10 mètres de haut. Je vois ça. Et ? D'après ce que j'ai compris, même les premiers colons français avaient peur de quelque chose dans ces marais. Ils craignaient quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Après notre année sombre, la première pierre de ce grand mur de fortitude a été posée en 1873. Par l'apposition de cette plaque en l'an de grâce 1888 de notre Seigneur, la construction du mur se termine. Puisse le mur de fortitude, par la grâce de Dieu, nous abriter du mal et nous protéger aujourd'hui et pour les siècles des siècles. On dirait qu'ils ont construit ce mur pour rien. Je vais essayer de voir si je trouve autre chose dans ces livres. Tu devrais éliminer ces biomasses. La première est dans le cimetière. Je t'y retrouve plus tard. Ugh.
c'est la biomasse ?